Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. L'Union s'intéresse à notre santé. Elle se focalise sur les progrès qui améliorent l'espérance et la qualité de vie des citoyens. En 2016, l'espérance de vie atteint 81 ans dans l'UE, soit un gain de 9 mois et demi en 5 années. Celle des hommes s'établit à 78,2 et 83,6 ans pour les femmes. Surtout, deux tiers de la population estiment être en bonne ou très bonne santé. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Au port de Saint-Jean-de-Luxibourg, trois navires déchargent et vendent directement le produit de leur pêche au sein d'une structure qui permet la vente directe aux consommateurs. L'intérêt premier, c'est d'avoir des prix constants sur l'année. Ça, c'est la première chose. Et surtout, rencontrer les consommateurs pour faire connaître notre métier, en plus de faire du chiffre d'affaires. Mais c'est très bien de rencontrer les gens et expliquer notre métier. Notre métier qui est un métier d'avenir malgré tout ce qu'on entend à droite à gauche. Chez les Fautous, on est marin de père en fils. En bon connaisseur du marché, il estime qu'il est temps de se rapprocher du consommateur et de profiter de cette opportunité. C'est de l'ordre de 165 000 euros à peu près, donc financé pour partie, encore une fois, par l'Europe, des fonds européens à hauteur de 20%. Et le reste étant financé sur des fonds propres de la CCI et des aides de la région et du département. Donc ça permet aux professionnels d'organiser une vente directe aux consommateurs dans un bâtiment qui est aux normes, qui respecte l'ensemble des règles d'hygiène et de mise en vente des produits de la mer de façon, j'irais, adaptée à leurs besoins et adaptée aux consommateurs. Un financement européen à hauteur de 30 000 euros pour une structure mise en place il y a 6 ans. Aujourd'hui, on reçoit David, 19 ans, un jeune franco-allemand en service civique à la Maison de l'Europe de Bordeaux. Je suis venu faire un SVE, donc un service volontaire européen pour la Maison d'Europe de Bordeaux-Aquitaine. Et donc, j'enseigne dans des écoles les valeurs européennes. Pour moi, comme je viens du lycée, l'Europe, c'était plutôt une idée abstracte. Par contre, mes parents m'ont bien appris que l'Europe est une institution importante. D'un côté, j'attends pour moi personnellement de pouvoir choisir des études ou un métier après. Et après, professionnellement, j'espère pouvoir montrer aux gens à Bordeaux, aux enfants que j'enseigne, que l'Union européenne n'est pas seulement une institution inaccessible et qu'on peut interagir avec elle. Tu connaissais la France ? J'ai passé un an ici, à Vierzon. En fait, je suis venu surtout pour le rugby. Bien sûr, Bordeaux, après, c'est énorme pour ce sport. Donc, pour moi, c'est une énorme chance de venir ici. Et oui, du coup, je connais assez bien la France, aussi parce que je suis demi-français. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ici ? En Allemagne, par exemple, le tri de poubelles, mais aussi le recyclage des bouteilles est un complètement autre niveau qu'en France. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait avancer ici. Après 3 semaines à Bordeaux, quelle est ta première analyse ? C'est beaucoup plus facile qu'on pense. On se dit, ouais, je vais rencontrer des gens d'un autre âge, des autres pays, avec d'autres cultures. Et on se dirait, ouais, c'est peut-être difficile de rentrer, mais pas du tout, en fait. J'étais heureux que c'était tellement ouvert. D'un côté, des Européens, mais aussi des Français, par exemple, les anciens volontaires ou les services civiques qui sont avec nous. Et ils sont tous très ouverts et accueillants, ouais, les Européens et les Français. Ich bin David Blume, ich bin 19 Jahre alt, aus Deutschland. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leur expérience. Les Hongrois que je rencontre, en fait, ils se disent que finalement, c'est plus la peine, quoi. Ils savent plus sur quel pied danser, ils se disent. Mais on a tout essayé, on a lancé des manifestations, on a dénoncé les pratiques d'Orban, on a dénoncé ces atteintes à l'état de droit et aux libertés fondamentales. Et on voit que finalement, ça n'imprime pas en dehors de Budapest et que les gens restent accrochés à l'idée que Orban est un leader fort, que Orban représente cette
espèce d'opposition justement contre Bruxelles, contre les intérêts étrangers qui essayent d'envahir la Hongrie, alors que finalement, sans les intérêts dits étrangers dans les années 90, la Hongrie serait peut-être restée un pays, disons, d'Europe centrale ou de l'Est comme un autre. Moi, je parle beaucoup politique aussi au travail, mais mes collègues disent que de toute façon, tant que l'Italien n'aura pas de faim, il y aura pas, il manifestera pas quoi. Que pour l'instant, heureusement que les générations précédentes ont assuré leurs arrières et du coup, beaucoup vivent encore chez leurs parents et l'Italien, pour l'instant, il est plutôt passif, on va dire. S'il n'y avait pas eu la confiscation des médias de province, s'il n'y avait pas eu toute cette propagande sur Soros, sur l'Union européenne, qui marche très bien dans ces villages perdus, où les gens ne sont pas véritablement informés et où considèrent l'Union européenne plus comme un ennemi qu'autre chose, alors que c'est là le paradoxe, l'Union européenne a financé énormément de projets pour justement développer cette province hongroise. Si tous ces messages-là n'avaient pas percé, alors Orban n'aurait certainement pas eu les deux tiers. Et après, quand tu essaies de dire « mais vous ne trouvez pas quand même qu'un de vos plus gros problèmes, c'est la mafia ?» Là, ça s'étend beaucoup moins sur le sujet. Et la campagne électorale, honnêtement, moi j'étais là, quoi. Le problème de la mafia, personne n'en parle, quoi. Après, je comprends que ça soit dangereux, mais ouais, non, c'était... l'être humain, quand il a décidé de trouver son ennemi, il s'unit. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.